Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test de Deathloop sur Xbox Series X. C'est parti, on va montrer ça. Alors c'est un jeu à la FPS, ça veut dire la boucle de la mort en français. On va voir comment il est le jeu. Alors c'est un jeu qui était sorti il y a un an déjà sur la PlayStation. On va régler la luminosité, un peu tout ce qu'il y a à mettre. Voilà, sauvegarder. Alors qu'est-ce qu'on doit prendre là? Briser la boucle, protéger la boucle. Enfin, on va prendre le premier. Alors, comme je vous disais, c'est un jeu qui était sorti il y a un an déjà sur la PlayStation. Là, il est gratuit sur le Game Pass. On va en profiter. Il a l'air pas mal, plus graphiquement, il a l'air assez cool. Pourquoi tu ne sers pas? Donne-moi juste une seconde. Ce qui est bien, c'est que le jeu est tout en français. Oula, ça a l'air bien gore déjà. Bon, tu vas te dépêcher. Ok. D'accord, l'autre a poignardé. On va voir comment ça va se passer. Je connais pas du tout l'histoire, je sais pas du tout de quoi ça parle. Déjà, ça parle de boucle, on dirait le truc du temps, je sais pas, les boucles du temps. C'était un stupide cauchemar. Ouais, stupide cauchemar, ça n'allait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh putain! Comment ça? Les mots français sont assez cool, on va voir. Alors, ouais, c'est un petit tutoriel au début pour expliquer comment le jeu marche. Brise là! Les sensations, elles ont l'air pas mal déjà. J'ai senti les vibrations là quand je courais. Brise la boucle. Non, toujours là! Je le vois et merde! Faut qu'il brise la boucle. Alors, il faut qu'il aille où, là? Qui suis-je? Mon nom? Qui suis-je? Bordel de merde! C'est quoi, mon nom? On dirait qu'il s'en rappelle pas. Comment il s'appelle, tout. Par contre, ça ressemble un petit peu à... un petit peu à Far Cry, un peu, le style. Le style de jeu. Le gameplay aussi, tout ce qui est gameplay. Oh, génial! Moi, je suis là, je suis à toi, il y a marqué. Alors, je sais pas ce qu'il doit faire. Tiens, ça me rappelle un truc. Ça a l'air d'être chez moi. Ça va être, je pense que ça va être sa planque. Bloquer son grand point. C'est quoi ça? Pouvoir analyser, d'accord. Ça brille. Ça brille un peu. Je me sens tout drôle. On va le prendre. On va un petit peu fouiller. Hop. Y'a pas un truc de placard. Tout. Alors, ça a l'air pas mal pour l'instant. Faut voir après avec les armes tout, les détails et tout. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la radio. Black. On doit être hors saison. Ouais, graphiquement il est quand même pas mal. Quand même pas mal, parce que là on voit bien le petit radio. Ça vibre en plus. C'est une radio ou c'est un GPS? On dirait une radio, ouais, c'est une radio ça. Ouais, un dirigeur de radio, je sais pas ce que c'est. Tu connais le code? Bordel, je connais aucun code. Allô? Qu'est-ce que... La doublage en français par contre est super cool. Alors essayer d'ouvrir. Ouais, le code. Je devrais peut-être chercher ce foutu code. Ouais, parce que là je sais pas du tout c'est quoi le code. Colt? Hey, c'est mon nom, Colt? C'est forcément ça, hein. Un coup de pied, d'accord, là ça baisse. Là on va aller voir un bum. Faut trouver un code pour ouvrir ce porte. Oulala. On s'est mis de sortir. Il y a un truc là, on dirait. Je sais pas ce que c'est. Merde. C'est elle. On dirait que c'est la femme, c'est qui l'a poignardé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, on va essayer de passer par là. Il peut passer. C'est bizarre, les passages, on dirait un peu à la... Ah, là, on peut mettre un coup de poignard, d'accord. Ah, la Five, un peu. Con, il a éclaté. Il a vitesse. Il a disparu. Oh, ça semblait trop facile. J'ai déjà fait ça. Obligé. Il a disparu? Ah ouais. Même pas fait gaffe.
dessin. Ce qui est bien, comme je vous dis, c'est les vibrations. On ressent bien les sensations des personnages. Ça, c'est vraiment pas mal fait. Ça se voit que les mecs qui ont fait la vue à la FPS, ils savent faire des jeux. Là, on le voit. Pourquoi je me rappelle pas? On va essayer de passer par là. Et je vais regarder. Graphiquement, ouais, ça c'est cool. Je sais pas où c'est qu'il est là. On dirait qu'il est en Antarctique. Pas besoin. Hop, ça je peux pas le prendre. Je sais pas ce que c'est. On va passer par là. Ah, il y a des copines en bas. On a vu. Ah. Oula, il y a un couteau en plus. Tu nous emportes tous en face. Putain. On fait comment là? Je vais passer, mais. Ou bien. Alarme, éclairage, ok. Ah ouais, c'est un petit peu tard maintenant. Il me fait attaquer de partout là. Ou putain. Alors là, je sais pas comment on fait pour se défendre. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Non, je peux pas. Oula. Il me poursuit avec. Ouais. J'ai un couteau. Ah ouais, super le thé. Il a un flingue en plus. Oh putain la vache. Alors là, je sais pas comment il faut faire. Parce que là, on n'a pas d'armes, on a rien. Ah, ça s'est passé. Ça s'est vraiment passé. Ok, ok. Je reviens là. Je suis en vie. Non. Je suis là. Je reviens là, les gars. Oh putain. Quoi, je reviens de loin là. J'ai compris. Ah ouais, beaucoup la vache. Y a pas d'armes là, parce que putain. Quoi, je reviens de loin là. Quoi, il m'a fait revenir presque au tout début. Le même matin. La même. Ah, il y a une arme là. Hop, là. Ah, bah voilà. J'avais peut-être oublié une arme moi. Je crois que j'ai oublié l'arme. Putain. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas tirer. Putain. Ouais, pensez à bien fouiller. Putain, j'ai oublié l'arme. C'est pour ça que je me suis fait exploser. Allez, hop, maintenant je connais le chemin. Oh punaise, les amis. J'avais complètement oublié le. Je vais tout prendre là. Alors, par contre, si vous connaissez le code là, vous pouvez me dire pour la porte, ça serait sympa. Hop, on va prendre la petite radio là. Non, merci. Voilà. Là on peut ouvrir les portes. Ah, maintenant avec le flingue, ça peut être pareil. Ah, il y a un petit côté là, aussi à la métro un peu. Ça y ressemble un petit peu, en principe. Hop, on va passer par là. Voilà. Alors pensez à bien prendre l'arme hein, qui est au tout début parce que moi j'ai complètement oublié. Ah putain, Alors faut passer par là. Faut passer par en haut. Je vais pas me faire avoir deux fois. Bon, il y a les molos, hein. On va essayer de les tuer un par un, là, parce que tout à l'heure, c'était un paquet en plus. Ah lui, on l'a chopé tout à l'heure. Allez hop, voilà. Est-ce qu'il y a des munes là? Ouais, pas besoin de munitions. Ouais, je vais en avoir besoin, je le sens bien ça. Hop, alors, passer par là. Alors, où c'est qu'on doit aller? On devait aller, ouais, c'est par là. On va essayer de les tuer un par un, ou je sais pas, je vais voir. Il y a des munes là, non, c'est pas. Ça va. Pour l'instant. Ça me rappelle cette fois. J'espère qu'il va pas me voir là. Je vais le tuer par derrière. Allez. Un de moins.
On va y aller mollo maintenant, parce que tout à l'heure je me suis bien fait avoir, je suis allé un peu à la... va-vite, hein, pour vous dire qu'il est quand même pas mal, hein. Graphiquement il est pas mal, jouabilité ça suit. Bon allez. On a trouvé Colt, vite. Bien que... Ah, il va le tuer lui. Allô. Allô. Ah, ils sont morts. C'est Juliana, au cas où t'aurais oublié. Ok, en fait, je sais pas trop ce que j'ai foutu hier soir. Mais si tu pouvais juste... Attends, quoi? T'as dit quoi? J'ai réussi à passer là, je sais pas. J'ai ouvert la porte. Ah, j'ai un ouvert tout à l'heure, putain. Ouais. J'aurais pas fait long feu, je pense. Mais... Bah, c'est... un peu embrouillé. De quoi tu te souviens? Je m'appelle Colt. Tu veux me tuer, je sais pas pourquoi. Et je sais aussi un putain de code que je piche pas. Et il y a ces boucles. Briser la boucle, c'est ça? Ouais. Je crois. Je... Ah, il faut qu'il trouve un code. Tout. Et là, il a une boucle, on dirait, d'après ce qu'il dit. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, je vais la briser, ta putain de boucle. Et quoi que j'ai fait c'est pour code. T'emmerder, je suis désolé. Alors, pour t'es ça. T'avais encore jamais dit ça avant. Pas où c'est que je dois aller, là. Fais un tour dans la bibliothèque. Il faut que tu vois ça. La bibliothèque? Il y a la cuisine là? C'est quoi ça? Il n'y a pas un code là? Allez, je vais essayer de regarder un peu partout là. Ah, elle a ouvert la porte, ça y est. Ça fait style années 70 un peu. Le décor. Tiens, on va revoir. Bon, c'est par là déjà. Je suis dans la bibliothèque. Quoi que tu fasses, ne pousse pas sur le pied. Hein? Quoi? T'es là? Putain. Ouais, on va pas écouter. On va tirer le levier. Oh, oh putain. C'est quoi ce truc? Elle est bourrée. Tu te fais toujours avoir par les mêmes vieux trucs. Tu pourrais pas faire un effort pour rendre ça intéressant rien qu'une fois? C'est quoi ce truc de merde? Garnet. Alors c'est comme ça que tu le prends. Tu sais que d'habitude, je suis sympa avec toi, espèce de sale ingrat. Ils sont cool, les... deux personnages, on dirait un couple presque. Je vais te laisser t'émerder. Oui, on est ensemble. Dommage, j'ai pas un mode cop, par contre. Ah, il y a un mode... multijoueur. Tu ne t'en souviens pas. Et le code, tu t'en souviens du code? Je connais pas le code. Le code. Je sais pas, il cherche un code depuis tout à l'heure là. Ouais, là je peux pas. Hey, tu peux me dire comment faire pour sortir? Tu parles tout seul? On va passer par là. J'y vais. Essaie quelque chose de nouveau cette fois, ok? Ne me déçois pas. Déjà, on peut détruire tout ce qui est déco. Ok, et il faudrait que je trouve le code. Je vais trouver avec le signal. Marche pas l'ordinateur là? Voilà, j'arrive pas à trouver là. Celle-là, elle m'a rien indiqué. Je sais pas du tout où je sais que je dois aller. Est-ce que ça remarche ça? Ça marche ça? On va relever, on va voir. Ouais, c'est pour fermer. D'accord. Ça n'a pas servi à grand chose. Ouais, la porte elle est fermée. Alors là, j'ai aucune idée par où il faut passer. On va rouvrir pour voir. On va parler de l'altéscope, non, on peut pas. J'ai pu retomber là. Putain, si je tombe là. Là, ça me dit rien du tout. Saute. Il est marqué saute, tu survivras au saut. Ah bon? On saute alors. Ah ouais? Putain, c'est quoi ce délire? Il y a son double. Écoute-moi! Tu l'as noté sur Black Reef. Tu connais déjà le code. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Ils le font chier avec ce code. Putain, je t'attends toujours. Ok. La carte postale, poulet. Tu l'as écrit sur la carte postale de Black Reef. Tu piges? Ok. Attends, je vais te lâcher. Attends. La carte postale. Non. Ok, elle vient de le tuer, je sais pas pourquoi. Alors on dirait qu'à chaque fois elle le tue dès qu'il sait qu'un truc. C'est bizarre, ouais. C'est vraiment bizarre. La carte postale, il a dit. Ah, mais on revient tout le temps en fin de compte.
Je viens de mourir. C'est quoi ce putain de bordel? Mais encore mort. Hein. Bon. Allez, c'est reparti. Carte postale. Carte postale. La carte postale. Alors, c'est la carte postale. Ah, c'est pas mal. C'est là, on dirait l'effet. Effet papillon un peu. Hop. Ah, c'est marrant un peu. Alors la carte postale, il me semble qu'elle était au-dessus là, de la radio là. Quand il a balancé. Ouais, il a pas regardé, il devait avoir un code. Putain de sale blague. 6637. Oh. C'est parti pour le brisage de boucle. Code, tu ne briseras jamais, jamais la boucle. C'est totalement impossible. Ah, il faut que je mette le code. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois... C'est quoi d'ailleurs? 66, 30, c'est une matinée 34, je veux dire. Top. J'en ai ma claque de toi et de tout ce bordel. Ah, 37, oui. Vraiment, ce qu'il a mis, chef. C'est évident. Voilà. C'est pas mal, la petite ambiance, tout. Ce qui est bien, c'est que tout le jeu est en français. La jouabilité est vraiment sympa. Si vous aimez les jeux à la FPS, ça le fait pour vous, celui-là. Il est vraiment cool. Une grenade. Ok, par contre, je sais pas comment on charge les armes. Comment on charge les armes? T'as vu essayer un peu? Il va falloir plus de munitions. Hop. Pourquoi on mettrait ça dans... Ah, j'ai un succès, les gars. Wow, putain. Good morning. C'est que ce truc. Wow, wow, ok. Ça, c'est normal que ça fasse ça. On s'en branle. Oh, c'est froid. Ah, en fin de compte, c'était complètement normal au début. Okay. Coroné. En fin de compte, j'avais trouvé ça bizarre, moi, coroné au tout début. Là, ça se va charger. J'espère que c'est pas trop long à charger. Non, ça va. Connexion des serveurs des jeux. Vous avez survécu. D'accord. Hop. Ouais, c'est un petit peu bizarre leur truc là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Un équipement. D'accord. C'est un peu bizarre leur truc là. Et on doit faire quoi là? Hop. On revient en arrière. Sur A. Alors ouais, ok. Ouais, il nous explique un peu comment ça marche le tout, mais ce qui serait bien, c'est qu'on revient en arrière. Alors, hein, explorer le, je sais pas quoi là. On va voir. Un peu bizarre leur tout ce qui est menu. On va voir où c'est qu'on va là. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. J'ai bien essayé à chaque fois. Comment tu sais où je suis? Il s'en rappelle où c'est qu'il est, le mec. T'as toujours l'air si surpris, comme si je ne savais pas exactement où t'allais. Je sais même pas moi-même où je vais. La place d'Orsay est juste en bas de la rue côté falaise. Il faut que je ce qui a marqué, parce que ça, je savais pas. Là, mort et là, ici. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre moi, ce côté. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle la boucle. De la mort. Et ouais. En français, ça veut dire ça. Je l'aime, cette veste. Est-ce que je peux passer par là? Il y a un autre code, sans déconner. Ça m'étonnerait que ce soit le même code. On va essayer quand même. Yes. J'ai réussi à me tromper. Ah si, c'est le même code. D'accord. Je sais pas où je vais. Ah, je reviens de toute façon au début, d'accord. On va pas servir à grand chose le code. On va passer par là. Ah, parti un casse. D'accord, la merdier toi. Oula. Deux ennemis. J'avais pas vu. Ouais, j'ai pas de grenade. Elle est où la grenade? Oula, tire dessus en plus. Alors le truc qui est bizarre, c'est pour l'instant, on sait pas où c'est qu'on doit aller, on sait pas du tout ce qu'on doit
vraiment fait. Ah, je prends les armes. On va tester les armes, les gars. C'est bon, le flingue. Oh là, il y a un qui me tire dessus, là. Oh, il m'a eu. Hop, on peut enlever en arrière. Ah, je peux revenir. Allez, hop, à dégager. Il est sympa, le flingue. Par contre, je ne retrouve plus la mitrailleuse qu'il y avait. C'est quoi ? C'est quoi ce truc ? Alors, le code, est-ce que ça va être le même ? 6, 6. Non, c'est pas le même code ici. Il y a un papier là. Ah, il y a peut-être marqué un truc, non ? A chaque fois, hein ? Non, il n'y a pas le code ici, c'est pas le même. Hop, on va voir, on va aller par là. Alors, on va descendre par là, on va aller voir ce qu'il y a là. Pourquoi ça sert ça ? Est-ce que je peux le prendre ? Là, c'est les balles. Ça, je peux pas le prendre pour l'instant. Je peux prendre juste les balles. Bon, les décors, s'ils pètent. La bouteille ? Ah ouais. Il y a un laser là. C'est l'indice d'un autre mot. Oula, il m'a vu le truc, je sais pas si c'est bon. Il faut que je passe par là, j'en sais rien du tout. Oula, on est partout ces trucs. Hein. On se croirait dans le monde ouest. Oula, oula là. Je me suis barré là, c'est là. Pas de grenade en plus. Allez, je vais prendre le mitrailleur. J'ai plus de balles. Ah oh, putain. Pas eu à faire tomber. Ah oh, putain, j'allais faire le fusil à pompe. Le fusil à pompe là. On sait que je l'avais pas. Efficace le fusil à pompe. Il est pas mal. J'ai plus de balles. Fait y passer. Tiens, tu peux loin le flingue. Ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts? Bon, ça a l'air bon. On va recharger tout. Tout ça. Il est pas mal quand même. Faut... Je vous le conseille, surtout qu'il est gratuit sur le Game Pass, ça va être de passer à côté. Comme je vous dis, c'était une exclu sur PlayStation il y a un an, ce jeu-là. Maintenant, il fait partie du Game Pass. Il y a beaucoup de jeux en ce moment qui arrivent de la PlayStation à la Xbox. Surtout sur le Game Pass, en profiter. Hein. Peut-être de passer à côté, surtout que le jeu a l'air sympa. Là, je peux pas y passer. Est-ce que je peux me servir ? Non, ça marche pas. Il m'a dit qu'il y a une autre entrée. Est-ce que je peux monter par là ? Il me dirait que c'est en haut. Putain, je vois pas. Ah ouais, c'est par là non ? Ah voilà, j'ai trouvé les amis. Hop, je connais pas encore le jeu, mais ça commence. Ouais. Il y a un coffre. Ouais. Il est en dehors, ça va aller. Ah, il y a un flingue. Yeah, c'est un nouveau flingue. Parfait pour décorer chez soi. Oh, hein. Avec des clous en plus. Il est cool. Il est pas mal le flingue. Alors. Alors c'est un jeu par contre il faut trouver souvent des codes. C'est pour ça que je vois. L'univers assez sympa. Ah il y a des cartes là, ces cartes là. Ça je peux pas le prendre encore, je sais pas pourquoi. Hop, toilette. Est-ce que le code il marche ? Encore un putain de code. J'allais dire ça en plus. Ah il marche pas. Ça va être un nouveau code. Putain, je sais pas ce que c'est le code les gars. T'as aimé autrefois. C'est pas marqué là le code ? J'ai gardé la feuille mais. C'est qui ce Franck ?
Tiens, il s'appelle Franck en plus. Ça les bol. Alors, hop, on récupère tout ce qu'il faut, mais le problème c'est que j'ai pas le code. Non, j'ai pas changé d'arme. Ah, peut-être l'ordinateur ou la carte. Waouh, joli. Il y a pas de code. N'abandonne pas. Putain, il y a pas de question. Ah ouais, le problème c'est que j'ai pas de code. Merde, ces mecs sont. T'as fait voir le message. Moi, je complimente tout le temps les gens. La boucle est gérée à partir d'une salle de contrôle. Ah, il y a un passage là, on dirait. Trop facile. Bien trop facile. Ça rend sympa quand même. On récupère ça. Ah, faut rentrer à la baraque là, on dirait. Il doit y avoir un truc. Il y a un code, il y a quelque chose. Non. Il me faudrait un code. D'accord, là il y a trois codes carrément. Ah, ouais, d'accord. Alors là. C'est encore pire là. Pas besoin. Pas besoin. Bon, combien il marche, s'il vous plaît. Ouais, c'est des clous. Alors quoi, je sais pas comment je vais faire parce que là il me faut trois codes. Hein. C'est encore pire. Par contre, c'est bizarre. Attendez, je vais regarder. Il n'y a pas de map, il n'y a rien. C'est quoi les options? Hop. Ça sert à quoi ça? Chien, réseau. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. Oula, ils sont un paquet là-bas. On va essayer de la choper par l'air. Déjà le premier. Allez hop. Vas-y, on se retrouve juste après. Ok, ok, je vais le faire. Suspense, compte sur moi. Allez hop. Il y en a pas mal. Oula. J'ai trop de balles là. Putain. Oh putain, mais c'est un paquet là. Oh putain. Cette arme elle est pas terrible quand même. Oula. Vous avez pas le code s'il vous plaît? Ah, y'a un truc là. Ouais, fusil à pompe. Je sais pas si c'est des genres de robots, je sais pas ce que c'est en face. On dirait. Oh putain, je me suis fait descendre par le dernier. Ah, oh, je me suis fait avoir les gars. Ah, il y a un succès. Contrôle de la boucle. Mourir, mourir, mourir encore. Ben voilà, c'était pour le montrer les gars, pour dire qu'il est sympa. Il est vraiment pas mal ce jeu. Sympa. Moi je vais m'arrêter là, je vais me faire en ligne. Sur ma chaîne Twitch, je vous montrerai un peu la suite. Allez, sur ce coup, moi je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne Multifrance 77. À plus, ciao.